Je voulais remercier François Moutou. Donc, François Moutou, il paraît-il ancien président de la CPPA. Il semble-t-il absent. Pourquoi le remercier? Parce que je suis de la CPPA, bien sûr, aussi un ancien. Et le remercier parce qu'il m'a invité à venir vous parler ce soir d'un nouveau projet, d'un atlas des mammifères de France. Je lui ai répondu rapidement, oui, pourquoi pas. Je vais être un petit peu ailleurs, je pense, je n'étais pas tout à fait là. Sauf que je ne sais pas quelle est ma compétence pour en parler de la nouvelle classe des mammifères de France, puisque je ne suis pas du tout impliqué dans ce projet d'atlas des mammifères de France. Pour ceci étant, je suis ravi d'être parmi vous, ravi de retrouver l'ambiance des colloques, ravi d'avoir retrouvé l'ancienne connaissance, alors je n'y parle quand même, mais bon. D'anciens qui étaient au début aussi de la société. Ravi aussi de voir qu'il y a de nombreux jeunes, comme il y a aussi 30 ans, nous étions aussi des jeunes face à des plus anciens qui s'occupaient des mammifères. Donc, merci à vous d'être présents ce soir. Et pour honorer cette invitation, il faut bien quand même que je parle un petit peu. Alors, je crois que je vais parler surtout de ce que je connais bien. C'était du premier atlas des mammifères de France. Alors si vous voulez bien, je vais me téléporter. Hein, téléportation, c'est bien, parce que d'un côté, je suis là, et puis je peux être en même temps ailleurs, 30 ans en arrière, 1984. 1984, je marche dans Paris, je me dirige dans le ministère de l'Éducation nationale pour leur présenter un bel ouvrage, tout récemment sorti, cet ouvrage-ci, que les anciens connaissent, mais que les nouveaux, je ne suis pas certain que vous connaissiez, vous l'ayez même eu entre les mains, et même encore pire, ouvert pour voir son intérieur et ce qu'il y a dedans. Le premier atlas des mammifères sauvages de France. Je mène au ministère pour présenter à la directrice du bureau des muséums de France. Jeune femme, une trentaine d'années, dynamique, mais au franc-parler. Elle prend l'ouvrage dans ses mains, le regarde, elle le feuillette, elle jette un regard sur les différentes pages, et puis elle se retourne vers moi. Vous êtes sérieux? Qui cela peut-il intéresser? 1984, 30 ans après, je vous jure que cette réflexion est restée gravée toutes ces années passées dans ma tête. Qui cela peut-il intéresser? Alors, si vous le voyez bien, je vais encore faire un petit saut en arrière, puisque je reste présent, je serai plus loin encore. 1975-1976. Là, ici, il y a un petit bocal dans la téléportation. Très bien, ça n'a pas beaucoup d'importance, de toute façon. Mais là, je suis non plus, je ne marche pas, je suis dans un train. Un train qui me ramène de Paris, où je tenais un colloque d'ornithologie. À cette époque, je m'intéressais aussi à l'ornithologie et aux mammifères. Je suis dans mon compartiment et entre dans ce compartiment un jeune homme qui s'assoit à côté de moi et qui commence à me développer, à moi, force de conviction, vraiment sûr, avec des arguments irréfutables sur le retard des mammifères pris par les mammifères sur les oiseaux. Nous sommes à l'époque où sortent les premiers atlas nationaux des oiseaux. Alors ce jeune naturaliste, j'aurais voulu vous le représenter encore ce soir et autres, vous le connaissez tous, surtout ici en Bourgogne, c'est Patrice Notéguin. Patrice Notéguin qui venait d'allumer un petit peu la bougie qui allait se cultiver dans les prochaines années. Il n'est pas là ce soir, je crois qu'il a une extinction de voix ou qu'il était fatigué, mais en tout cas vous l'avez vu, pour la plupart, vous vous en rappelez, ce matin, il vous a parlé du chagrin. Alors Patrice descend au Creusot, il restait à mon époque, 75-77, descend au Creusot et moi je poursuis jusqu'à Lyon. Alors Lyon, c'est pas une grande distance depuis le Creusot, mais c'était suffisant pour quand même remuer, parce que venait de me dire Patrice, et puis j'étais jeune, j'avais l'enthousiasme aussi de la jeunesse, je prenne une décision. Une décision qui avait quand même un petit peu chamboulé mon univers. Le lendemain, je téléphone à Marie-Charlotte Saint-Giron, aujourd'hui disparue, je pense assez souvent, pour lui demander ce qu'elle penserait d'un projet de réalisation d'un atlas des mammifères de France. Comme toujours, cette dame, j'appelle le faire une dame
volontairement, la réponse fut spontanée. Fayard, c'est une bonne idée, je suis avec vous, je parle avec vous. Quand il est jeune, il est encouragé par une personnalité forte de la religion. Ça m'a décidé, dans les jours qui ont suivi, de prendre contact, là encore, avec quelqu'un qui n'avait avoir son importance, François Beaufort, qui était chargé de mission au nouveau, tout jeune ministère de l'Environnement, pour la faune sauvage. François Beaufort va aussi me dire le ministère de serait intéressé, par un tel projet, mais, et même, c'est intéressant aujourd'hui, ça sera peut-être un peu plus difficile, et même pourrait apporter une ou des subventions. Mais il vous faudra créer une structure qui puisse recevoir ces subventions. Tant que personne ne peut recevoir des subventions du ministère de l'Environnement. Donc, tout était finalement, le hasard avait joué, avec Patrice, entrant dans le compartiment. La nécessité de faire quelque chose était évidente à cette époque. Tout était réuni pour que la création de la CFPM s'en soit entérinée, ici même, en Bourgogne, au Creusot, en 1900, le 3 décembre 1977. Avec comme objectif principal la création d'un atlas des mammifères de la métropole, précisant les espèces, leur répartition et leur approche éco-écologique. Programme, il faut que vous vous remettiez à des, dans cette époque où je suis en ce moment, je vous parle de cette époque, je vous parle de loin, on était dans les années post-68. J'ai fait 68, on m'a dit, j'ai fait 68, comme d'autres et autres, une époque où la situation n'était pas du tout celle qu'elle était aujourd'hui. L'ordinateur, les ordinateurs qui sont ici n'existaient pas. On sortait encore des fiches perforées et des aiguilles. La classe, dans notre tête, pouvait donc avoir d'autres formes que celle de cet ouvrage-ci, c'est-à-dire un ouvrage papier avec des cartes, cartes qui étaient à l'époque originales puisqu'elles étaient obtenues après un maillage et un traitement quand même informatique qui avait été fait, par ce qu'on appelait à l'époque le secrétariat national. C'était le faux-le-flore. Mais pour faire un atlas, vous savez tous, il faut des données. Et pour avoir des données, il faut faire un inventaire. Et pour faire un inventaire, il faut des forces vives qui aillent au moins sur le terrain pour repérer les espèces. Sauf que nous sommes, je vous parle toujours, de l'après 68, le début des années 70. La société à cette époque change, on peut dire, très rapidement. On parlera de celle qui présente, là où vous êtes en ce moment, tout à l'heure. Donc là, à cette époque, il y a une prise de conscience de l'environnement qui est très très forte. Il suffit de voir les livres qui paraissent à ce moment-là, pour les sociétés des jeunes de lire, aller voir les bibliographies de cette époque, ça c'est fort au niveau de ce qui sort pour l'environnement. L'écologie fait simplement surface à cette époque. Elle apparaît en tant que science dans les universités. Et toute une génération de jeunes scientifiques vont rentrer dans cette discipline. Avec une originalité, c'est d'aller sur les terrains et d'innover dans les méthodes d'études appliquées aux habitats et aux espèces. Tout un changement au niveau de la science et de l'approche des espèces, du comportement, de la biologie, des espèces animales qui s'opèrent à ce moment-là. Alors dans ce domaine, l'ornithologie va se montrer extrêmement pionnière. Et très souvent, et là c'est important, au niveau des régions. Il faut savoir que la Bourgogne est une des régions pionnières dans ce domaine, avec des naturalistes très très forts, très jeunes, comme Ferry, Camille Ferry, et Bernard Frochot, qui était ici ce matin, vous l'avez vu ici. En Rhône-Alpes, Philippe Le Breton, alors ça ne dit peut-être pas grand-chose pour les jeunes, sachez qu'à l'époque, c'était des sociétés, effectivement, des jeunes scientifiques renommés, connus. Et Blondel, en PACA, tous des brillants naturalistes qui vont tracer des voies de recherche et d'application dans le recensement, dans la détermination spécifique, dans la phylogénie, dans les facteurs biotiques et abiotiques de répartition, sur les régimes alimentaires, la dynamique de population, l'analyse statistique des résultats.
Là aussi, on est dans une nouvelle approche, on analyse de façon statistique les résultats obtenus sur le terrain. Au niveau des amateurs, vous avez la LPO, qui prend force au niveau national, et puis en région, la création de nombreuses associations naturalistes qui vont apporter le soutien et la force d'un nombre croissant d'amateurs qui vont alors permettre d'engager ces inventaires régionaux, départementaux, et de développer aussi, et c'est important, en parallèle, une politique de conservation et de protection. Là, on change de niveau. Autrefois, les scientifiques s'occupaient éventuellement des problèmes scientifiques. Là, toute une génération va associer à l'étude scientifique, obligatoirement, une restitution au niveau des grands publics et une intégration, une participation active, militante. Pour les mammifères qui nous concernent, il y a un retard. Ça, c'est sûr, un retard sur cette dynamique. Il faut là aussi revenir, je parle d'une de l'époque où les spécialistes mammifères se comptaient sur les 10 doigts de mes mains, pratiquement. Je vais faire un petit résumé rapide. En mammalogie, on avait quelques grands noms. Ici, on avait François Brouillère, immense personnalité, qui rayonnait en lui littéralement sur toute la synthèse de la mammalogie, aussi bien européenne que mondiale. Grand personnage que j'ai eu le grand plaisir de côtoyer plusieurs fois. Il est venu me voir ensuite au Muséum de Grenoble. Un très très grand plaisir à discuter avec ces personnes pour un niveau exceptionnel. Au niveau du Muséum national, Francis Pétain, bien sûr, qui dirigeait le laboratoire des mammifères, mais avec une orientation, comme c'était le cas à l'époque, plutôt exotique, africaine, voire asiatique. Enfin, encore Marie-Charlotte Saint-Giron, la spécialiste des petits mammifères, des rongeurs et insectivores, qui était dans une situation, petite anecdote en passant, très délicate à cette époque. Vous rendez compte qu'une femme, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des petits mammifères, s'en passait mal au niveau de certains hommes de cette époque, chercheurs de cette époque, et même de Balzac, que vous n'avez pas connu, que j'ai eu aussi le plaisir de côtoyer, disait, quand il voyait Mme Saint-Giron, il l'appelait « monsieur ». Il ne pouvait pas supporter qu'une femme puisse s'occuper. Et en plus, elle avait fait des études de géographie. Des études de géographie qui s'occupaient des petits mammifères au CNRS, ça ne pouvait pas passer. Mais comme on l'a dit souvent, Marie-Charles Saint-Giron était une personne admirable. Ensuite, au niveau des chiroptères, vous aviez André Brosset, qui était le spécialiste de l'époque, lui aussi avait quand même une préférence pour les chiroptères plutôt exotiques, mais c'était lui, on va dire, monsieur chiroptère. Pour les mammifères marins, Raymond Duby à La Rochelle était incontournable. On ne pouvait pas parler des mammifères marins sans parler de Raymond Duby. La faune de montagne, à l'époque, vous aviez un grand spécialiste qui était Marcel Couturier, mais qui est mort en 1974. Voilà un petit peu pour les grands groupes, les spécialistes qui existaient en France. Au niveau des espèces, c'est encore plus rare. Au niveau des espèces, vous aviez forcément le professeur Condé pour le chat sauvage, vous aviez, on en a parlé un petit peu, je crois, pour le castor, le père, Bernard Richard, qui était le spécialiste du castor, et un petit peu aussi du décement. Et puis, vous aviez, pour le mouflon, Pierre Pfeffer, que les jeunes d'aujourd'hui connaissent beaucoup plus, je pense, pour toute son activité pour la protection des éléphants. Mais à l'époque, c'était le spécialiste. Il avait fait sa thèse sur le mouflon de Corse. Et voilà, à peu près tout ce qu'il y avait dans l'ensemble. Mais à côté de ça, il y avait toute une génération de jeunes qui apparaissaient. Donc il y avait la qualité, le cercle était quand même relativement petit, mais dans cette deuxième moitié de la décennie 70, donc un nouveau paysage va se dessiner rapidement. Un grand nombre de jeunes vont s'inscrire dans cette dynamique, et un grand nombre de ces jeunes sont devenus, il y en a certains qui sont présents ici, de brillants scientifiques et de brillants naturalistes, il faut le dire. Si vous voulez que je vous donne quelques noms, voilà. Et ce cercle va encore s'agrandir rapidement avec la participation, et ça c'est important. C'est pour ça que vous êtes ici, pour en parler tout à l'heure, la participation d'amateurs passionnés qui vont s'inscrire dans cette dynamique. Et en plus, ils sont passionnés, mais ils sont compétents ou ils le deviennent très rapidement.
Alors cette nouvelle génération va inscrire une nouveauté aussi dans cette approche de l'étude des mammifères. Elle va engager des travaux sur les rongeurs insectivores, elle va engager des travaux sur les carnivores ungulés, qui jusque-là étaient la propriété exclusive de la chasse. Ça, il faut le dire. Mais vous avez quelques audacieux qui osent contester un petit peu ce diktat de la chasse sur certains groupes. Sur les chiroptères, le groupe reste encore relativement bien pauvre dans la mammalogie, mais va se déclencher après la tasse, on en parlera, un essor considérable. Et toute cette génération va développer, elle aussi, des méthodes de recensement, des méthodes d'inventaire et autres, on pourra discuter si ça vous intéresse. Elle affine aussi les moyens techniques de reconnaissance spécifiques, ce qui n'était pas évident à l'époque, hein, pour essayer de déterminer toutes les espèces de petits mammifères. C'était parce qu'il n'y avait aucune clé à l'époque, pratiquement. Elle aborde la génétique des populations, là aussi, nouveauté, hein, dans l'étude. Elle intègre dans les analyses des méthodes statistiques. Il faut savoir effectivement que se développe dans certaines unités toute une approche d'études des statistiques au niveau des populations animales, et en particulier à Lyon, dans le laboratoire de Chessel, où il y avait un jeune qui va devenir très brillant dans ses analyses, c'est Jean-Dominique Le Breton, le frère de Philippe, qui est devenu une sommité dans ce domaine des biomathématiques. Elle s'ouvre aussi, et là je tiens à signaler, une collaboration qui j'espère va perdurer dans le temps, pas simplement entre les naturalistes, les biologistes, aussi avec les paléontologues, pour appréhender l'histoire, l'évolution de nos mammifères. Et ça aussi c'est une nouveauté. Et là ici je suis obligé de donner Chaline en particulier, avec le laboratoire à Dijon. Moi, j'avais rencontré une vingtaine d'années, et j'ai apprécié effectivement d'entrer dans cette connaissance du passé de notre faune. Et plus au-dessus, vous avez un laboratoire qui va aussi faire beaucoup, c'est le laboratoire de Louis Thaler, dans son laboratoire des sciences de l'évolution. Donc, toute une génération va sortir de jeunes scientifiques, jeunes naturalistes, qui aussi vont faire une carrière brillante. Alors, aussi, une caractéristique auquel je tiens personnellement, de cette génération, et qui va rester dans la génération suivante, qui j'espère sera aussi celle de cette nouvelle génération aussi en face de moi, c'est la multiplication des actions militantes d'information, de conservation et de protection. On associe la recherche, on associe aussi l'implication, on s'insère dans la société, on ne reste pas dans son cercle fermé de scientifiques. Alors ce mouvement est encourageant, puisque je parle du passé, hein, je suis dans le passé, et il me revenait en tant que président de la SFPPM et responsable du projet Atlas, de mettre en place en 78 le tissu régional des coordinateurs et d'assurer l'arrivée du projet à bon port. Je le dis sincèrement, ce furent quand même 6 années de déplacements, de contacts, de rencontres, d'échanges, de relances, parfois inévitablement de tensions. Un temps qui est épuisant, ça c'est certain, quand on lance un atlas, on en reparlera, j'espère, tout à l'heure, il faut se mettre dedans à plein, c'est pas oublié, c'est relativement épuisant. Mais finalement, c'est un travail enrichissant, passionnant sur le plan scientifique, associatif, culturel et humain. Voilà pour le passé, on peut revenir au 21e siècle, je reviens pour vous et vous. Donc le résultat de cet inventaire a été matérialisé par ce document, là, dont on m'a demandé sur un ton je ne sais plus, qui pouvait intéresser. Autant vous dire qu'en 1984, je n'ai pas su quoi répondre à cette personne. J'étais tellement un peu abattu par moi, j'étais tellement fier de montrer le résultat que nous avions fait à cette époque, je n'ai pas su répondre. Alors aujourd'hui, 30 ans après, je vais nous faire en direct une confidence. Il faut que je fouille, hein, parce que c'est vrai que... Je tiens un nouveau ouvrage, un bel ouvrage, ici dans mes mains. Ah, cet ouvrage, vous le connaissez, il est publié par les éditions de la Chaux NSC. Vous l'utilisez, j'en suis sûr, c'est certain, puisque c'est le seul finalement, qui puisse permettre d'avoir une vision large sur les mammifères, ces régions qui sont marquées ici.
En plus, c'est un ouvrage de qualité, il faut le dire, puisqu'il est fait quand même par trois membres, pour les cinq auteurs, il y a combien d'auteurs, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sur la totalité des auteurs, il y a quand même trois auteurs qui appartiennent à la SFEPM. Le président actuel, le précédent président, et l'un des plus fidèles administrateurs de la société. Quand je l'ai eu, quand même, je suis encore un petit peu ma valeur. Donc j'ai parcouru, j'ai regardé, j'ai vu un petit peu, ma connaissance avait beaucoup baissé, qu'il y avait de nombreuses espèces que j'étais loin de connaître, même au sein de la faune française, ça avait perdu un petit peu pied, et autres. Et puis comme tout scientifique, j'ai quand même une formation scientifique, je suis allé à la bibliographie. Bibliographie qui n'est quand même pas exhaustive, hein, c'est loin, c'est pas possible de mettre un ouvrage. Mais malgré tout, bon, ça m'a réveillé quand même quelques souvenirs du passé, et j'ai cherché la citation de l'Atlas des mammifères de France, du premier Atlas des mammifères sauvages de France. Car il y en avait jamais eu avant, sinon un ouvrage qui avait pris ce titre de Didier Héron, qui n'est pas du tout un atlas avec carte. Donc c'était vraiment le premier, et je crois, ce sera vérifié, j'en suis certain que cet atlas que nous avions fait était le premier du type, de ce type, de ce genre en Europe. Probablement, avec des cartes balayées traitées par ordinateur et autres, avec une définie, je pense que c'était le premier. Donc quand même, un ouvrage important. J'ai cherché, eh bien, je pourrais dire ici qu'en vain, la citation du premier atlas de la mammifère de France n'y est pas. Simple oubli, probablement. Ça demande quand même du travail de faire un ouvrage comme cela. Mais, personnellement, qu'est-ce que faut-il en penser? Oubli, je pense. Ou devrais-je en déduire qu'un atlas, plus particulièrement, cet atlas-ci, m'a servi finalement, peut-être pas à grand-chose, il ne sert probablement plus de nos jours. Alors je dois dire ici que ce sera difficile d'accepter cela. Alors que ce dont je suis sûr, là je vais regarder mon texte quand même, c'est que les 1070 acteurs qui ont opéré pendant 6 années sur le terrain, et que je remercie encore ici, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux, ces acteurs sont ici présents ce soir, hein, certains sont ici ce soir. Je dois dire que tous ensemble, nous aurons quand même précisé de nombreuses répartitions jusque-là, qui étaient jusque-là incertaines, voire inconnues. Nous avons mis en lumière des espèces jusque-là souvent ignorées. Nous avons participé au développement des recherches sur la biologie des mammifères. Nous avons ouvert la voie de nombreuses études biogéographiques. Nous avons soulevé le questionnement sur l'influence des facteurs biotiques et abiotiques dans la répartition. Nous avons interrogé sur le statut. Et nous avons incité, et ça c'est aussi important, les associations naturalistes à poursuivre leur propre inventaire et à produire leur propre atlas régional. Point aussi très important, cette dynamique a développé et soutenu dans les villes, les départements, les régions, des actions d'éducation, de sensibilisation à la protection des habitats et des espèces. Et bien 30 ans après, que je considère comme avoir été une très très belle aventure humaine. Avant toute chose, ben nous voici réunis pour parler d'un nouvel atlas. Et comme il y a 30 ans, simple coïncidence peut-être, nous en parlons dans une société qui a changé, et change encore à grande vitesse. Là encore, je vais essayer de résumer ici. La population française a augmenté de 15 millions d'habitants. Le réseau autoroutier en métropole, c'est bien en métropole, forme une trame ininterrompue passée de 4800 km en 1980 à 11 000 km de nos jours. L'urbanisation des villes, vous savez aussi bien que moi, s'intensifie. Le mitage des pentes montagneuses et des campagnes s'accélère. Là, plutôt, les pollutions croissent. Et puis, le climat s'échauffe. Dans le rapport animal-homme, l'homme et les philosophes depuis l'Antiquité. Je prendrai qu'un exemple. Il y a un maître mot qui est apparu dans le discours des aménageurs, c'est le mot gestion. Gestion dont l'appropriation est passée dans les mains des ingénieurs technocrates et qui annonce d'une façon inexorable, selon mon point de vue, une jardination de la nature.
Il dirait que la primation, c'est un néologiste. C'est aussi le titre d'une de mes sculptures que je présente dans des expositions et qui me permet d'interpeller, d'interroger un autre public que les naturalistes sur une évolution que je crois inexorable, c'est que cette nature sauvage, la nature libre, est en train de disparaître à grande vitesse pour aller vers un jardin planétaire. On peut toujours avoir d'être un grand optimiste. Je crois que quoi qu'on puisse faire, on va vers une jardination de la nature et donc une disparition de cette nature que l'on a tous dans la tête, de cette nature libre et sauvage. Dans la vie quotidienne, la communication se fait aujourd'hui d'un point à l'autre de la planète, instantanément. L'informatique est uniformément présente dans notre environnement et nos actions, et le virtuel remplace le réel. C'est là un mouvement, une constante évolution, ici comme partout ailleurs, dans le Paléarctique, terme dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et qui est important, hein, qui est cette grande région biogéographique qui englobe l'aire de répartition de la majorité des espèces présentes en métropole. Et je pense, on en parlera peut-être tout à l'heure, que personnellement, il est difficile aujourd'hui de parler de répartition uniquement française, uniquement française, sans aussitôt la projeter dans une vision du Paléarctique. On ne peut plus s'isoler et étudier simplement notre propre répartition. Tout est lié et sera de plus en plus lié avec la modification qui s'annonce dans les années à venir. Alors, pour ces mammifères qui nous préoccupent en ce moment, les régions, les départements, hors des territoires d'outre-mer, ont aussi désormais des atlas, déjà pour certains, vous le savez aussi bien que moi, qui ont été actualisés une fois, voire deux fois, et qui sont mis en service dans des sites informatiques interactifs. Ce que nous avions projeté 30 ans avant est aujourd'hui quasi généralisé au niveau de l'ensemble des régions, et c'est un point extrêmement satisfaisant. Pour l'inventaire des espèces qui posaient énormément de problèmes il y a 30 ans, et puis on pose toujours pour la majorité des naturalistes qui vont sur le terrain, surtout lorsqu'ils s'approchent des petits mammifères, pour les ongulés, pour les carnivores, aujourd'hui il n'y a pas trop de problèmes, pratiquement aucun, pour les chiroptères, aujourd'hui c'est un rêve, on peut déterminer tous les chiroptères, hein, sans difficulté. Par contre, il reste encore tous les petits mammifères. Eh bien, aujourd'hui, il n'est nullement besoin de voir avec le doute d'avoir bien vu, de saisir l'animal avec le risque d'être mordu et d'attraper une bactérie, un pathogène ou une autre maladie. Désormais, une crotte, une fessesse ou une fesse, je ne sais plus comment on dit exactement, je préfère fessesse. Joli, une empreinte, hein, j'ai oublié une empreinte dans mon texte, hein, je vais la rajouter avec l'excellente communication que nous avons eue. Un poil, une pellicule, une goutte d'urine, une empreinte, un peu de terre devant un orifice, un filet d'eau suffisent aux généticiens pour en préciser le propriétaire, établir sa carte d'identité, renseigner sur son régime alimentaire et dans le domaine aérien, une allocation, et voilà l'auteur identifié même par une nuit. Sans lui. Dans l'étude du comportement, qui est indissociable de ces inventaires que l'on fait sur le terrain, la télémétrie, le radio-tracking, les balises GPS, les détecteurs à ultrasons, la miniaturisation des puces, les micro-caméras, les pièges photographiques, les jumelles infrarouges pénètrent en tout lieu, en tout temps, le secret des déplacements et de la vie intime de nos chers mammifères. Dans l'analyse des données, qui autrefois était rendu quand même difficile par le manque de moyens, les modèles biomathématiques aujourd'hui, de plus en plus complexes, il faut dire aussi les choses comme elles sont, prédisent si les lendemains seront ou non enchanteurs pour la population de l'espèce concernée. Alors toutes ces approches, j'en oublie certainement, on pourrait essayer peut-être de dire celles que j'oublie, hein, probablement bien d'autres, enrichissent la connaissance sur la biologie, l'écologie, l'éthologie est complète, je tiens à le dire, parce qu'il y a une inquiétude de plus en plus grande chez les jeunes qui vont sur le terrain, mais à quoi allons-nous servir maintenant? C'est simplement un complément à l'observation indispensable et directe sur le terrain. Donc il y a encore beaucoup d'avenir pour les jeunes
hein, qui s'intéressent aux mammifères, ils pourront encore apporter beaucoup d'éléments pour cette connaissance. Alors, si à tout ce que je viens d'énumérer, j'ajoute, et je crois que c'est important, que le changement climatique va rapidement, dans les 10 prochaines années, bouleverser la répartition des populations dans tout le paléarctique, et je reviens dans le paléarctique, hein, tout est réuni pour que soit envisagé un nouvel inventaire que je qualifierais, mais je ne suis pas impliqué, hein, je vous l'ai dit il y a quelques minutes hein, de cet atlas, l'inventaire que je verrais plutôt, moi, plurifactoriel. Il me semble qu'aujourd'hui, on peut difficilement envisager un inventaire sans y associer, comme on le souhaitait il y a déjà 30 ans, des facteurs de l'environnement. C'est indispensable, plus que la présence-absence, qui est encore intéressante, mais qui finalement n'a pas tant d'importance que cela, puisqu'on réfléchit à une ère globale au niveau du paléarctique. Par contre, il est important de connaître l'état des populations. Si l'on veut avancer dans une politique de gestion de conservation, de protection, il faut non pas travailler uniquement sur la présence d'un individu ici ou là, qui de plus est appelé à se déplacer. Et vous l'avez vu, n'importe quel mammifère parcourt des centaines de kilomètres en une nuit. On est loin de ce qu'on croyait autrefois, les mammifères ne bougent pas aussi, l'ensemble des mammifères bougent, même les petits mammifères font des grandes distances. Donc il est important, me semble-t-il, de travailler sur l'état, la connaissance des populations. Alors, et je voudrais que ça ne soit pas simplement un monologue, je ne suis pas ici pour simplement faire cet exposé d'une vue ancienne, hein, de ce qui était il y a 30 ans, de ce qui pourrait peut-être être demain, aujourd'hui ou demain. Ce qui est important, c'est que nous sommes ici, la SFEPM, avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément de la SFEPM, et qui participent quand même aussi à ces actions. Et donc c'est maintenant qu'il va falloir préciser qu'est-ce qui est en cours exactement. Je l'ai dit, je ne suis pas du tout dans ce projet. Ce projet est-il initié ou voulu par le Muséum National, la SFEPM, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est la SFEPM qui relance un nouvel atlas avec la collaboration et le soutien, bien sûr, c'est toujours intéressant, du Muséum National, je n'en sais rien. Quel est l'objectif exact de cette nouvelle atlas? Je ne peux pas le préciser. J'ai demandé à Audrey, je ne sais pas si Audrey est ici, qui m'a gentiment renvoyé quelques lignes sur ce projet. Audrey, vous présenterez, hein, parce que qui m'a renvoyé quelques lignes sur ce projet en me disant que le projet globalement était en route puisqu'il y a un atlas sur les mammifères marins qui est déjà bien avancé, hein, si j'ai bien compris, et pour l'autre atlas des mammifères terrestres, il est envisagé sans doute de faire un atlas en plusieurs volumes sur, je ne sais pas combien d'années, sur quelles données il semblerait, vous pourrez intervenir, hein, vous pouvez venir ici, hein, sur des données sans doute récupérées auprès des associations régionales, départementales, locales et autres, qui sont stockées au... comment ça s'appelle maintenant? C'est plus un cratère à la fond de flore. Ils ne sont pas. Comment? Ah, en plus, elles n'y sont pas, me dit l'actuel président. Oh, peu importe. Hein. Serait donc ça une synthèse? Donc, j'ai plus l'impression que ce serait une synthèse de données sur une dizaine d'années, sans doute antérieures, et autres, mais sans relance d'un projet réel d'inventaire sur le terrain, avec des objectifs précis sur soit la répartition, présence absente, soit sur des caractères environnementaux, biotiques ou abiotiques, qui permettent d'aller plus loin pour connaître un petit peu la situation des populations. Je n'en sais rien. Donc j'ai envie de dire, ce soir, si vous n'êtes pas trop fatigué, et si je peux prendre cette initiative, je ne suis plus président, mais non plus, depuis longtemps, la société. Je l'ai laissé pour des raisons évidentes, j'avais un autre chantier à faire et autres, bien que je l'ai suivi aussi à distance, j'ai eu d'excellents présidents qui ont suivi, mais je pense que c'est sans doute à lui, et à celui qui est ici présent ce soir, parce que c'est Stéphane, qui est là, peut-être de venir ici, avec Audrey, de venir ici aussi, et d'essayer tous ensemble, puisqu'il faut qu'on sorte quand même
sur quelque chose de positif. On ne va pas sans arrêt dire, il y a un projet. Je me permets de dire à ta place, à Stéphane, mais tu penses pour moi, il y a un problème. Il faut peut-être ce soir, demain, les gens qui vont venir, se décider, parce que c'est important qu'il y ait 30 ans après, une réflexion portée sur nos mammifères, sur un inventaire ou des inventaires, qui puisse aussi faire un point, mais qui puisse aussi remobiliser les jeunes qui sont là ce soir, qui sont en train de faire il y a 30 ans, et qui puissent remettre en place aussi de nouveaux objectifs comme nous les avons fait il y a 30 ans. Donc voilà, donc je m'arrêterai ici. Stéphane. Audrey. Voilà, je vais. Bon, Stéphane, est-ce que tu peux au moins répondre sur la première des questions? Alors, Stéphane, vous l'avez connaissé depuis longtemps, président actuel, qui m'a dit tout à l'heure qu'il mettait fin cette année pour sa présidence, lui aussi. Et puis, Audrey, vous êtes dans le service du patrimoine naturel, qui est l'ancien secrétaire de la conférence, c'est ça? Donc voilà, vous avez donc deux personnes, et en même temps, vous êtes à ce FPR. Première question, moi j'ai envie de vous la poser avant qu'il y en ait d'autres. Est-ce que ce projet d'Atlas, qui est quand même commencé, parce que c'est un projet qui a débuté, vous avez déjà bien avancé, j'ai compris, est-ce que c'est une demande du Muséum national ou est-ce que c'est une demande de la SFPM telle que c'était déjà initiée il y a 30 ans? Il y a 30 ans, dans la conclusion, dans celle de François Bourrière, c'était l'Atlas qui doit être poursuivi. Et poursuivi, là aussi, on le mettait déjà en avant, poursuivi avec une conjonction de facteurs environnementaux au niveau de la répartition présente-absente. Donc on avait déjà en tête le fait qu'il faudrait le faire. Dans ma tête, pour moi, c'était 10 ans après. Bon, 10 ans, ça passe vite, hein. Je peux comprendre qu'il y avait d'autres objectifs, la société a développé des tas d'autres choses, hein, aussi, là, il suffit de voir jusqu'à le produit et autres. Mais 30 ans après, est-ce que nous avons la question, est-ce qu'il ne faut pas se dire on ne fait plus d'inventaire, on fait autre chose? Donc, question, ça fait peur ou les autres? C'est important, je suis sûr qu'ici, dans la salle, ils attendent la réponse. La réponse n'est pas si évidente que ça, non. Parce qu'en fait, c'est au départ, il y a un projet de la SFPF. Mais ce projet, c'était il y a 10 ans. Et il y a peut-être un peu plus de 10 ans, il faudrait que je recherche dans mon ordinateur. J'ai deux dossiers. Un, c'est l'Atlas des chiroptères, puisque là, il était déjà prévu de faire un atlas par fascicule. Parce que quand tu as dit un fascicule mammifère marin, faune terrestre, non. Pour la faune terrestre, il est prévu 6 fascicules. Parce que les connaissances ont tellement évolué, sont tellement importantes, que maintenant, on ne traitera plus une espèce sur deux pages, voire deux espèces par page, comme il est fait là, mais chaque espèce, selon les connaissances, sera développée beaucoup plus longuement. Et notamment, tu l'as bien précisé au début, c'était l'atlas des mammifères de métropole. Or, le projet, c'est un projet de l'atlas des mammifères de France. Et avec le premier fascicule, qui est celui des mammifères marins, la couleur est donnée, à savoir que les mammifères marins, ce seront les mammifères marins de la France et de tous les territoires français, c'est-à-dire des DOM comme. Hein, même les mammifères marins de Polynésie seront traités. Donc, et ça, c'est, enfin, sont traités puisque les textes sont déjà rédigés. Et donc, il y aura aussi la même chose pour les mammifères terrestres. Or, quand on sait qu'il y a plus de 100 espèces de chiroptères en Guyane, vous comprenez très bien qu'on ne va pas faire un fascicule avec les chiroptères. Vu les connaissances qu'on a actuellement sur les chiroptères en métropole, ça veut dire qu'un fascicule sur tous les chiroptères avec les 100 espèces de Guyane, alors je ne parle pas des espèces de Guadeloupe, Martinique, Réunion, etc., puisqu'il y a sans rajouter quelques-unes quand même, ça veut dire que ça fait un pavé de 1000 pages, quoi. Bon. Donc là, on dépasse largement. Alors donc, je disais, il y avait ce projet. Moi, j'ai participé aux réunions préparatoires de l'Atlas des chiroptères. L'Atlas des chiroptères, on a collecté des données.
Elles sont toutes dans un CD-ROM qui est sur mon bureau. Et le projet en est resté là. Parallèlement, il y avait le fascicule insectivore et rongeur qui était aussi lancé. Nous avons organisé plusieurs réunions, Paris, pour collecter aussi les données, pour relancer la collecte. Et puis, ça s'est arrêté. Et donc, ça c'était, je ne sais plus, il y a une dizaine d'années. Et puis, effectivement, l'idée était toujours en nous de refaire un atlas des mammifères, parce que, à mon avis, c'est important de faire le point à un moment donné sur les connaissances en termes de répartition, mais comme tu l'as dit également, de toute façon, il est absolument prévu, et ça a été fait il n'y a pas très longtemps, mais ça va être refait bientôt, d'évaluer le statut des populations de toutes ces espèces. Ça, c'est ce qu'on appelle liste rouge. Donc, il y a une liste rouge française qui a été publiée en 2008, qui a été préparée en 2008 et publiée juste après pour les mammifères, parce que pour les autres espèces, évidemment, ça, tout ça, ça s'échelonne dans le temps. Et donc, l'idée était là, et puis est arrivée l'opportunité par les mammalogistes marins. Alors là, c'est peut-être Audrey qui pourra me dire exactement comment ça s'est passé, parce que moi, je ne participe pas aux réunions du groupe de travail sur les mammifères marins, notamment le groupe qui travaille sur les échouages. Donc je ne sais pas du tout comment ils ont initié ça. Et là, ils ont demandé, est-ce que la SFPM serait intéressée pour participer à ce projet ? La réponse a été tout de suite, bien sûr, et c'est l'occasion de relancer l'Atlas, la préparation de l'Atlas. Et voilà comment ça s'est passé, sachant que le service du patrimoine naturel est représenté dans ces réunions du comité d'échouage par Patrick Affleck, et du coup, ça paraissait assez évident que les données des mammifères marins, je précise bien, soit stocké par le service de patrimoine naturel. Et voilà pourquoi Audrey a pris en main les choses. Et puis, vous savez, quand il y a un projet, c'est ce que je dis chaque année dans mon. Ce que je dirais demain d'ailleurs à l'Assemblée Générale, quand il y a un projet, il faut un porteur. J'invite tous les membres de la SNPM à avoir un projet et à le porter. Par exemple, demain, vous aurez une communication ce dimanche de Fabrice Darino, qui est arrivé il y a 2 ans en disant « Voilà, moi j'ai un projet, j'aimerais bien qu'on fasse une étude sur le rat des moissons. » Ben, moi je lui ai dit « Voilà, ça c'est typiquement une espèce que si la SFEPM ne s'en occupe pas, personne ne s'en occupera au niveau national, j'entends. Hein? Ah, l'ours, le loup, ça, il y a des férus, il y a des capous, etc. Là, il y a plein de gens que ça intéresse. Mais le rat des moissons, ça n'intéresse personne. Donc, évidemment, le projet de Fabrice Darino, la SFEPM le porte actuellement. Et je m'écarte, évidemment, comme toujours, de la question. Non, mais je laisserai Audrey répondre exactement à son point de vue à elle. Donc, pour ce qui est des mammifères marins, je dirais que le porteur, c'est le service du patrimoine naturel. Par contre, rien ne se fera de plus si ce n'est pas la SFEPM qui est le porteur. Et notamment, et je le dis très clairement ici, la base de données sera une base de données SFEPM. Et ça, je crois que c'est très clair entre nous. Il n'y a pas d'ambiguïté. En plus de ça, demain, Audrey se présentera au suffrage pour intégrer le conseil d'administration de la SFEPM. Donc vous voyez que les relations ont toujours été très bonnes entre le secrétaire à faune flore de l'époque d'Armand Fayard, le service du patrimoine naturel actuel. Nous prendrons toutes les garanties pour que certains dérapages dénoncés par Jean-François Daubeuillet dans un courrier récent ne se reproduisent pas en gardant une base de données purement SFEPM. Alors, du coup, les précisions par rapport à l'inventaire aux mammifères marins. Donc moi, je suis arrivée un petit peu en cours de route. Je pense que les réflexions étaient déjà en cours au sein du SPN.
Je suis arrivée à un moment où on savait qu'au sein du ministère, il fallait faire un point là-dessus. Donc, il y avait un budget pour faire un point sur l'inventaire des mammifères marins. Donc, on a sauté sur l'occasion. On a vu qu'en même temps, donc, tout le réseau mammifères marins, il y a pas mal de campagnes qui sont encore en cours sur, pour récolter des données sur l'outre-mer, etc. Il y a l'évaluation article 17, donc, qui récupère pas mal de données, qui fait pas mal de synthèses. Donc, on s'est dit, effectivement, c'est un bon moment pour faire un point. Et si on prend du temps pour faire un point, pourquoi pas relancer, du coup, le projet qui était toujours en cours, mais qui démarrait pas forcément, qui se lançait pas forcément, donc sur l'Atlas. Donc on a commencé, on en a forcément parlé avec la SFEPM, puis Stéphane l'a précisé, soit Patrick ou moi, on est SPN, mais on est aussi SFEPM, donc c'est deux casquettes. Enfin, je pense qu'un Atlas national ne peut pas se faire sans la SFEPM. Donc du coup, voilà, on est rentré en contact direct et puis on a profité de cette dynamique pour lancer ce volume. Voilà pour les précisions sur le mammifère marin. Je vous remercie. Quelque chose me surprend éventuellement, j'aimerais bien d'ailleurs que ça me vienne un petit peu ici en face. Vous avez parlé d'un projet, d'un nouveau projet Atlas, auquel jusque-là je dis. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, et pourtant je ne suis pas de la nouvelle génération, j'ai l'âge qui a passé. Votre projet, c'est tout de suite, il y aura un atlas papier, un mammifère marin, 6 qui seront sur les mammifères terrestres. Là, en 84, l'informatique n'existait pas, je dis pratiquement pas avec l'adoucissement, le projet atlas, on n'avait pas d'autre objectif que de faire un atlas papier, qui aurait eu 2500 exemplaires, je ne sais plus, autre, qui était la concrétisation de 6 ans. D'efforts. Aujourd'hui, quand je regarde les jeunes, je vous jure que je suis surpris, moi. Le papier, ils n'ont pratiquement rien à foutre. Ils ont tous un smartphone, un téléphone, des choses comme ça, ils sont tous en train de regarder des histoires, des films, des machins, des trucs comme ça. Il y a le flash code, genre, comment ça s'appelle, sur les papiers, ils vont essayer de prendre, ils le regardent et autres. Je me dis, nous ne serions pas capables, nous, ici, lorsqu'on parle d'un inventaire, d'un atlas, de penser autrement qu'un atlas papier. Un atlas papier, c'est une chose intéressante, c'est du tangible, ça peut rester, mais est-ce qu'aujourd'hui, et là-dessus, je dis bravo à toutes les associations locales, départementales, régionales, qui pratiquement tous au mieux au point des atlas interactifs, directement, abondables en direct sur leur écran, mis à jour, disponibles à tout moment, pour le monde. Est-ce que n'est-il pas possible de penser là aussi à jouer dans cette carte-là de façon à élargir le cercle un petit peu de ceux à qui on va donner un atlas. Je suis quand même surpris de voir que l'on reste quand même très naturaliste entre nous. J'ai parlé de cercle il y a 30 ans, cercle qui s'agrandissait. Or, l'objectif, c'est bien de faire en sorte de sortir un peu de ce cercle pour aller vers les autres publics qui sont les plus nombreux et qui n'ont aucune idée de ce que l'on peut faire au niveau de nos rencontres et autres. Et un atlas, pratiquement tous les atlas sont tous très beaux. Il n'y a pas de problème quand je vois les atlas qui sortent aujourd'hui. Je suis époustouflé de la qualité de l'image, de la mise en page, de l'épaisseur et autres. Quand on les regarde en détail, ils sont bâtis tous sur la même forme, c'est-à-dire une carte de répartition, une photo ou un dessin et un test. C'est comme tu as dit, développer forcément les connaissances sont développées. Mais quand vous êtes obligé de faire ce cela, sauf être un spécialiste ou un amateur éclairé, c'est difficile pour le grand public, ce qu'on appelle le grand public, d'être intéressé. Or, l'objectif, c'est quand même que ces travaux qui sont faits par nous tous, qui ont été faits pendant des années, soient apportés à la connaissance des publics, des autres publics. Et j'aimerais bien vous poser la question, qu'est-ce que vous avez envisagé pour aller toucher les autres publics? Je dois dire un petit peu, là, 30 ans, 35 ans de contact permanent entre les publics de 4 ans jusqu'à 90 ans, nous ouvrons les yeux. Nous vivons, je le dis franchement, nous naturalistes, dans un monde fermé. J'ose le dire, même si ça peut choquer certains. Bon, du coup, je pense que vous êtes aussi convaincu que c'est important quand même d'avoir une version papier. Je n'en ai pas parlé que d'opération papier. Voilà, moi je, effectivement, pour l'instant, c'est ce qui est l'actualité, de le publier en version papier. Je pense que c'est quand même important d'avoir du coup un état des lieux au jour J. Après, on a réfléchi au tout début, et
vous avez vous-même lancé la place en 1984, vous savez le travail que c'est, on a eu les idées, on ne les a pas forcément encore concrétisées. Je pense que ce serait très bien d'avoir ce qui est fait au niveau régional ou des sites internet, des choses beaucoup plus dynamiques. Ce n'est pas fait aujourd'hui, j'ai eu donc là c'est sur Mammifères Marins, donc je participe depuis quelques années au séminaire RNE, donc où il y a eu pas mal de gens qui participent à la thèse, qui sont venus me voir pour me dire bon, c'est un très très beau projet, mais ça serait bien que ce soit informatisé, ça serait bien qu'il y ait quelque chose de dynamique. Donc ça c'est quelque chose qu'on entend. Après, il faut le mûrir, il faut de l'argent aussi, il faut avoir les fonds, il faut avoir tout ce qu'il faut derrière pour faire tourner tout ça, parce qu'un site internet, contrairement à une version papier qui va sortir un jour J, un site internet, c'est bien si c'est dynamique, si ça évolue. Ou alors, il y a la même version, on numérise la version, on la met en ligne, hein, c'est aussi une possibilité. Mais... Vas-y. Alors, Armand. Armand, donc, je suis désolé, je vais être un petit peu, parfois, vexant. Je viens de faire 8 heures de route. Je ne suis pas forcément très bonne humeur. Alors, ton intervention me chagrine un peu dans la forme et dans le fond. Dans la forme, ça ressemble à une espèce de tribunal qui ne plaît pas trop. Mais passons sur la forme, ok ? Revenons au fond. Le fond, je crois qu'il faut savoir ce que c'est que la FEPEM maintenant et comment elle a évolué. Tu l'as dit tout à l'heure, dans la classe que 84 est parue, tu l'as présenté à des gens, ils t'ont dit « mais à qui ça va intéresser ?» La question, elle est là. C'est-à-dire qu'effectivement, elle illustre aujourd'hui la dualité de la CPPM pour moi. Société française d'études de protection pour l'étude et la protection, merci M. le Président, vous me corrigez. Ça veut dire qu'on a effectivement un rôle technique. Ce rôle technique, il est entièrement reconnu puisqu'on est régulièrement sollicité par le ministère pour leur produire des évaluations à leur demande sur les espèces qui l'intéressent. On est capable aussi, de par notre vision de protection militante maintenant, d'avoir une autre évaluation sur des espèces qui sont suivies par des établissements connexes, du établissement, OMCFS pour ne pas les nommer, pour lesquels il y a des données techniques. Une donnée technique, c'est toujours une donnée technique qui apparaît, une carte de la population, sur lesquelles, quand vous mettez deux personnes ayant un rôle militant ou un rôle de gestionnaire, comme tu l'as dit, on va avoir deux avis différents. Je viens de vivre en tant que chargé du rapportage de 2000 pour le cours de CPM, et je peux te dire que les discussions qu'on a eues en groupe sur le loup, le castor, enfin pas le castor, mais le loup, le vison notamment, ou les petits carnivores avec les gens de la CFS, ont été parfois un peu animés. Et on a très bien montré la façon différente dont les mêmes données techniques de base peuvent être interprétés. Hein. Alors, ce rôle technique, c'est le nôtre. Et je crois qu'un atlas papier remplit très bien ce rôle technique. Parce que l'atlas papier, on fait un état des lieux et on projette dessus une analyse, interprétation de l'état de l'espèce, de son futur, et aussi des problèmes de cohabitation et de que tu as appelé au sens large gestion. Hein. Ça n'empêche pas, et c'est là le deuxième niveau que tu sollicites, mais qui n'est pas le même, et qu'un atlas ne remplira pas, un papier ne remplira pas. C'est effectivement association FEPM nationale, transversale, avec énormément de partenaires. On a 45 associations nationales, départementales régionales qui sont adhérentes à FEPM et qui ont des données très précises et des atlas qui sont largement supérieurs en qualité à ce qu'on a pu faire en 84. Ce qui nous met effectivement, d'une part, sur le challenge de réussir un très bel atlas. Et deuxièmement, et c'est là où je voulais en venir par rapport à des interventions, et ce n'est pas le même outil, on doit, pour construire ce nouvel atlas papier et le rédiger ensemble, s'entourer de partenaires, le BNHM en est un incontournable. L'ONCFS en sera un aussi, quoi qu'on puisse penser de leur interprétation ou de leur positionnement de gestionnaire, il sera incontournable. L'ONF aussi en sera. Donc on va être amené à avoir un paquet de gens. Dans ce contexte-là, un des challenges, FEPM, pour effectivement sortir de notre cénacle pour d'y voir, comme tu l'as dit, qui existe depuis 84. Et là, et quand tu t'es pris la remarque de la madame en 77 ou 78 pour 84 pour présenter la classe, le montre très bien, ça. Il faut qu'on en sorte aujourd'hui.
C'est aussi une question de vie et de mort, entre guillemets, financière. Là, c'est le trésorier qui parle, hein, pour l'association. Mais on ne passera pas par les mêmes outils. On passera par des outils dynamiques, mis en ligne, avec effectivement d'autres types d'informations grand public pour les mammifères. Ceci étant, pour arriver à cette fin-là, hein, cela suppose un relationnel avec tous nos partenaires associatifs ou institutionnels énormes, ce qu'on n'a pas encore mis en place. Hein. Il est prévu effectivement qu'on arrive à un site, en, je veux dire, à classe ou collecte ou rassemblement de données mammifères en ligne, alimentées par tous nos partenaires. Mais ça veut dire qu'on discute avec eux pour établir un vrai réseau de relations nationales. Alors, on amorce la pompe, et Audrey l'a très bien dit, on profite, entre guillemets, de l'historique des mammifères marins du muséum pour amorcer la pompe à classe. Parce qu'une fois qu'on aura mis ton engrenage, on devra sortir les autres derrière. Mais on ne pourra les sortir, on ne doit les sortir qu'en construisant réellement ce relationnel et cet outil à quotidien qui est incité. Et on pourra ensuite, une fois qu'on aura récolté tout, sortir un document papier qui sera notre expertise. Et celle-là, elle nous est aussi demandée, y compris par les institutions. Je pense que si je pense à provoquer une réaction. Non, non, regarde, Arnaud, si je peux faire une réponse un peu différente. Non, moi je dirais que aussi, comme tu l'as bien souligné, en 1977, quand vous avez démarré la SNEPM, il y avait moins d'une dizaine de pomologistes en France. Actuellement, il n'y a pas une seule région où il y ait moins de 10 pomologistes. Et en fait, tout le travail, je trouve d'ailleurs que c'est un remarquable résultat de la société que vous avez créée, puisque en fait, elle a suscité tant de pomologistes que finalement, il y a des groupes régionaux qui sont devenus plus importants que la SFEPM elle-même. J'ai en face de moi le président du groupe mammologique normand, il a plus de salariés que n'en a la SFEPM. Et c'est pourtant un groupe spécifiquement mammologique. Alors je ne parle pas d'associations type Nature Midi Pyrénées, puisque hier j'ai appris qu'il y avait 18 salariés. Et tout à l'avenant. Ça veut dire qu'en fait, et c'est très bien, c'est un formidable résultat, que cette démultiplication régionale de l'étude et de la protection des mammifères. Et ça veut dire aussi que bien produire un atlas en 2014, eh bien, on ne peut plus le faire effectivement comme en 1984. Et le contact avec le grand public, moi je dirais que c'est un contact au niveau local, au niveau régional. Et effectivement, si il y a... Parce qu'en fait, qu'est-ce que veulent les gens? Ils veulent savoir quels sont les mammifères en fait chez eux. Ils n'ont pas besoin, quand je suis à Saint-Buisson, je ne m'intéresse pas aux chauves-souris du Morbihan ou aux descendants des Pyrénées. Sauf si j'ai prévu d'aller passer mes vacances dans les Pyrénées. Et si j'ai prévu d'aller passer mes vacances dans les Pyrénées, c'est pas compliqué. Je vais sur le site de Nature Midi Pyrénées, je consulte BASENAT, et j'ai la carte du décement dans les Pyrénées. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces atlas en ligne, et c'est pas que je refuse de faire un atlas national en ligne, pas du tout, mais tous ces atlas en ligne, ils sont dans les régions. Et toute l'information, elle est à ce niveau-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus se diriger vers le grand public, puisque dans la salle, il y a Georges Badi, qui est venu lui aussi avec un projet de faire un ouvrage grand public sur les petits mammifères. Alors là, c'est pareil, évidemment, il a trouvé une oreille attentive tout de suite, parce que dès qu'on parle de petits mammifères, chez moi, ça fait tilt. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux que personne n'étudie, que la plupart des gens ne connaissent pas. Quand vous regardez les guides d'identification des grandes maisons, on vous met trois campagnols et deux musaraignes. Bon, ça veut dire qu'en fait, ils sont complètement délaissés. Donc là, on a un projet grand public, petit mammifère.
j'ai dit tout de suite, enfin, j'ai convaincu mes collègues de la SNEBM qu'il fallait s'associer à ce projet. Donc, là où je voulais en venir rarement, c'est que effectivement, est-ce que nous sommes réellement armés pour aller directement vers le grand public au niveau national? Je ne le pense pas, hormis projets très particuliers. Par contre, effectivement, nous avons le relais de toutes les associations régionales et locales. Alors là, à elles de faire cette démarche, et nous ne pouvons que les encourager, voire les aider, puisqu'il était prévu, mais de les aider à constituer des bases de données pour celles qui n'en avaient pas encore. Bon, et puis finalement, il s'avère, n'est-ce pas, Christian, que pratiquement toutes les régions ont leur système de, maintenant, de saisie de bases de données. Mais enfin bon, c'est pas la peine d'assister là-dessus. Non, mais c'est un bon exemple de la complémentarité entre SFEPM et région, et en quoi un atlas même dynamique en ligne sera différent s'il est national ou régional. Hein. On l'a très bien vu pour les données Natura 2000. On a été capable d'amener des données Natura 2000 sur les chiroptères et sur muscardin ou bien le descendant, etc., à une échelle de 10 km sur 10 km, donc 9 fois plus précise que celle qu'on avait faite en 84. Hein. Mais ceci étant, dans les régions, les données sont encore plus précises. Par contre, là où je ne te rejoins pas, Stéphane, et désolé, je vais être un petit peu moins par l'affaire que mon président, pour une fois, c'est que même dans les régions, les gens sont intéressés pour savoir justement quelle est la particularité de leur espèce dans leur région par rapport au national. Hein. On a un exemple récent, par exemple, Chauve-souris Auvergne est en train de faire un tas d'échiroptères. La Chauve-souris Auvergne nous a contactés pour savoir effectivement quelle était la part de la répartition des espèces chauves-souris en Auvergne par rapport à celle présente dans le national, les différents états de population, etc. Donc la mise en perspective des données régionales par rapport au national intéresse y compris les régions et les départements. Oui, mais ça, ce sont les naturalistes, pas le grand public. Alors, le grand public ne va pas aller regarder si le statut de la barbacelle dans la région... On est d'accord pour ça, Stéphane. Ok. Hein ? Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est bien complémentaire entre les deux niveaux et qu'on a bien un outil précis à mettre en place à ce niveau-là. Voilà. Mais je crois qu'il est... Enfin, pour moi, Armand, tu veux rebondir. Oui, moi, je veux rebondir. C'est une discussion qui est en train de partir entre deux personnes, la SFPM plus moi en tant qu'Armand. Je ne suis pas là pour avoir une discussion avec toi en tant que président actuellement, en tant qu'ancien président, donc si que ça joue. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de jeunes ici en face de moi, quand même. Je les connais quand même. Je me mets à savoir ce que pensent les jeunes aujourd'hui de ce projet d'Atlas, comment ils l'envisagent aussi. Ils sont concernés, ils seront demain les moteurs même de la diffusion des connaissances des mammalogues et autres. Et ils sont tous, j'en suis certain, concernés par le fait que ça nous intéresse en tant que spécialistes, mais qu'ils ont aussi une responsabilité vis-à-vis de ce que j'appelle le public élargi et autre. Et que pour eux, lorsqu'ils font un atlas, quand ils font des inventaires, ils ont aussi cette préoccupation-là. Donc il faut qu'elle remonte jusqu'au niveau national, qu'elle s'influe sur la direction effectivement que peut prendre un projet d'inventaire, nouvel inventaire, nouvel atlas et autres. Je crois que c'est important. On est à un tournant, pour moi, il y a un tournant qu'il ne faudrait pas rater. Hein, je ne sais peut-être pas encore tellement, parce que je ne suis pas appliqué dans le projet, je suis au courant du projet. Donc je sens qu'il y a quelque chose à faire, ce quelque chose ne peut pas être fait sans les jeunes qui sont ici, sans les régions. Pour qu'exprimez-vous un petit peu, j'aimerais bien savoir un par là. Bon, alors, je suis jeune. Non, mais hyper court, donc Pierre Rigaud. Hyper court, juste pour dire que. Certes, c'est l'ère de l'informatique, etc., du virtuel, machin, mais je pense qu'il faut essentiellement faire quelque chose qui reste. Enfin, un livre, les gens sont encore intéressés par le livre, et puis surtout, c'est ce qui reste, quoi. On se souviendra de l'Atlas qui va exister là, on a vu si ça se fait, parce que ça restera sous forme d'un livre, je pense. Oh, ben oui, de quoi ? Oui, non, mais d'accord, mais pour l'instant, on fait, quand on va faire cet Atlas-là, on va prendre référence au précédent qui existait. Et ça n'empêche pas tous les développements informatiques, ça n'empêche pas de faire des choses en ligne. Et il est évident que la SFPM peut continuer à exister et avoir une certaine aura auprès notamment du grand public et des spécialistes à la fois, de faire quelque chose de complet techniquement, scientifiquement, et à la fois très très accessible, à mon avis, et attractif dans la forme. Donc il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je dis, si ce n'est que
si ce n'est l'idée de soutenir un projet qui serait le au maximum propre SFEPM, donc avec les partenaires, pourquoi pas Muséum, très bien, pourquoi pas CFS, pourquoi pas. Et surtout quelque chose de joli, c'est évident, pour dépoussiérer un peu l'image, une partie de l'image que parfois peut avoir les SFEPM, auprès du grand public elle est inconnue, alors que d'autres associations plus récentes sont beaucoup plus connues. Donc faire quelque chose de joli, de complet, en essayant de rassembler tout le monde, et je pense pas qu'il y a besoin de lancer, pour la plupart des espèces, des inventaires spécifiques, comme ça a été dit, les informations, les données existent souvent déjà dans la région, donc c'est un travail de coordination, de motivation, de recherche de financement, tout un tas de choses que pour l'instant on n'a pas assez mises en œuvre, il me semble, du côté de l'association, pour produire quelque chose qui sera la référence dans les prochaines années, voilà, tout simplement, c'est tout. Donc Franck Sibonnet. Merci. Du groupe Gilles Breton, la discussion elle fait écho pas mal à des discussions qu'on a en ce moment. On est en train de finir comme dans notre région, la place des mammifères de Bretagne. Et puis on est dans la phase où on réfléchit à l'ouvrage papier qu'on va faire. Avec des questionnements justement sur quelle est la cible, quel est le public, et est-ce qu'on peut toucher le grand public. Et en fait, alors on va essayer de faire un ouvrage, je ne sais pas si on va y arriver, qui essaierait de s'adresser à un public plus large que les naturalistes. Mais je dirais pas le grand public, mais plutôt un public curieux de la nature. Donc un ouvrage papier, oui, parce que le papier reste quelque chose de concret, de réel et pas de virtuel. Après, il y a effectivement un nouveau contexte avec une nouvelle communication, tout ce que tout le monde connaît. Donc évidemment, il y a sûrement un intérêt à au niveau d'un atlas national à faire quelque chose sur Internet, peut-être pas uniquement se contenter de ce qui existe en région, mais avoir quelque chose aussi en national qui renvoie, enfin, soit qui fait la synthèse, comme le disait très bien Pierre, soit qui renvoie aussi vers les régions. Et j'ai oublié ce que je voulais dire pour finir. Oui, ce que je voulais dire pour finir, c'est que je pense que toucher le grand public, pour le coup, je pense pas que ce soit un atlas qui soit le bon outil pour le faire. C'est pas un atlas qui va intéresser le grand public, c'est d'autres actions, soit en région, ou éventuellement nationalement aussi, mais une autre forme, c'est pas un atlas. Voilà. Thomas Ruiz. Thomas Ruiz, donc, CPPM, Association Sites Nature, et aussi coordinateur de la classe de la mammifère d'Aquitaine. Voilà. Pour compléter un peu ce que disait Franck, effectivement, pour le grand public, ça peut. On le voit tous les jours, enfin, moi, dans le cadre de mon travail, le grand public est intéressé par des animations qu'on peut faire, que ce soit dans le cadre d'un atlas ou pas, mais il faut les toucher directement, et pas forcément dans le cadre d'un atlas, mais avec des publications peut-être plus simples, je ne vais pas dire simplistes, mais plus simples, plus abordables. Et sur lesquels ils n'ont pas envie forcément de s'attarder beaucoup. Enfin, je veux dire, une monographie sur le loup qui fait 6 pages, c'est un peu. Bon, pas que le loup, c'est un mauvais exemple, parce que c'est une espèce qui touche un peu tout le monde, mais une monographie voilà, sur le campagnol agreste qui ferait 6 pages, je ne suis pas sûr que le grand public puisse avaler ça assez facilement. Donc pour le grand public, il existe des animations, alors qu'elles soient au niveau régional, c'est vrai, mais aussi au niveau national, et la SFEPM le fait très bien. Notamment avec le printemps des castors ou des choses de ce genre-là. Donc, oui, la dynamique existe, elle est en région, et oui, elle se fait peine d'en profiter. Enfin, bon, oui, Alain Texier, en double casquette, parc du Marais Poitevin et naturaliste vendéen. Je vais rebondir ce que vient de dire Thomas. Tu viens de finir en parlant que la SFPM va en bénéficier. Et je pense aussi que la SFPM peut servir de l'expérience qu'il vient d'avoir sur les PNA loutres et chauves-souris. En région, je me replace il y a 15 ans, la SFPM, quand on a démarré, on ne savait pas tout ce que c'était dans le département. Depuis 4-5 ans, ça a un petit peu changé. Alors, ça a pu changer aussi pour moi, parce que je suis le référent Pays de la Loire pour la loutre. Mais on se rend compte que la SFPM, au niveau local,
a complètement gagné en crédibilité avec des animateurs de plan qui ont réuni des gens en région. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus simple de récupérer les données, moi en tant que correspondant en région, en disant aux structures locales, remonter les données de l'outre, mortalité ou autre, pour un organisme SFPM qui a gagné en confiance l'ensemble des acteurs du territoire depuis de PNA qui sont en train de se mettre en œuvre quand même assez bien, même si c'est jamais parfait, même si Rachel, excuse-nous, on n'est pas toujours bien attentif, mais voilà. Je pense qu'on peut se servir de ça et l'Atlas ne sera que plus facile à mener sans rentrer dans le détail de remonter les données, les grands débats de discussion naturaliste. Mais je pense que l'SFM peut servir de ses atouts, de ces deux plans qu'elle a menés, pour en espérant en avoir d'autres, et se servir de ça pour continuer à fédérer les structures au niveau régional, et sachant qu'au niveau, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Lanier, dans tous les départements, il y a des animations nature, il y a des gens qui font du terrain, qui commencent à se fédérer un peu en région, et c'est justement à ce niveau-là qu'on attend la SFPM. Alors je parle au titre de mon nom, mais aussi de discussions qu'on a eues au sein de CA Naturalis sur d'autres structures, c'est là qu'on attend de fédérer un peu au niveau national et de porter les discours et de faire pression. Alors après, Atlas Papier et autres, je ne reviens pas là-dessus, c'est les discussions que nous aussi on a eues en Vendée sur l'Atlas des mammifères en Vendée qui va sortir l'année prochaine, papier, c'est internet, il y a, je pense, autant d'avis de femmes ici dans la salle, mais ça ne paraît pas quelque chose aujourd'hui d'insurmontable pour une structure qui n'a certes pas beaucoup de salariés, mais qui peut s'appuyer sur un réseau de naturalistes, soit amateurs, soit, il n'y a jamais eu, je pense, autant de professionnels dans les structures de protection de la nature aujourd'hui. Bah, c'est juste un tout petit ajout, c'est bon, là, c'est limite une discussion d'assemblée générale ou de CER, mais comme on parlait tout à l'heure à table avec Audrey, en fait, ça manque quand même le projet de, à mon avis, de clarté quant aux porteurs du projet, quoi. Parce qu'on se demande un peu, bah, c'est ce que disait Armand, est-ce que c'est vraiment SFEPM ou est-ce que c'est Muséum SFEPM? C'est pour ça peut-être qu'il faudrait qu'on clarifie ça dans le projet et dans la façon de le présenter, à mon avis. Je crois que j'ai été assez clair. Le projet, il est typiquement SFEPM, sauf qu'on a la chance d'avoir quelqu'un au service du patrimoine naturel, qui est Audrey, qui sera aussi administratrice de la SFEPM, je l'espère, demain, et qui peut travailler sur ce projet. Alors que, jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucun administrateur qui prenne le projet à bras-le-corps. Le seul administrateur qui actuellement s'occupe de ce projet, c'est François Boutou. Enfin non, d'ailleurs, il est devenu administrateur, d'ailleurs. Mais disons, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être administrateur pour porter un projet, puisque Georges Abadie, qui est à ta droite, n'est pas administrateur. Fabrice Darino n'est pas administrateur, donc on peut très bien porter un projet pour la SFEPM sans être administrateur. Voilà, donc, mais peut-être que l'an prochain, j'aurai plus de temps et que je pourrai plus m'en occuper. Et qu'on ne me demandera pas de signer des papiers, de faire des lettres dans la semaine quand les gens ont mis pour moi pour les écrire. Thierry von Schengel, de Suisse. Moi, j'ai amené un ou deux compléments d'un petit pays, peut-être chez vous, où on a des démarches qui sont en cours, faites ou en prévision, genre un atlas mammifère. On se pose pas mal de questions similaires à vous. On a juste une différence dans le fonctionnement de ce que vous pensez des outils informatiques. Donc, atlas en ligne, il faut bien se rendre compte qu'un atlas papier et un atlas en ligne, c'est pas la même chose. Un atlas papier, c'est une interprétation scientifique qui est faite d'un document où on a un complément. Les cartes en ligne, dynamiques, ne servent pas à grand-chose. Nous, on a depuis maintenant, ça fait 15 ans, des données en ligne au niveau national suisse qui sont reprises par les BE, par les assos, pour plein de trucs, y compris pour les services d'État. C'est des outils qui sont aussi consultés par le grand public, mais qui n'apportent que peu de choses, notamment pour faire valoir tout d'un coup des décisions pour lancer des plans d'action, ce genre de choses. Ça ne sert à rien. Nous, maintenant, à l'heure actuelle, on réfléchit à justement refaire un état des lieux atlas,
Il y en a un qui a été fait en 94, qui est, c'est le seul qu'on a pour la Suisse pour les mammifères. Et là, la démarche a été entreprise. Mais ce n'est pas un outil qu'on va viser grand public, parce qu'on l'a déjà entendu ici, ce n'est pas vraiment ciblé grand public. Et tout ce qui est chose dynamique, on part sur deux objectifs au niveau grand public, des cartes grossières, synthétiques, mais sans aucune explication. Et on se rend compte qu'à l'utilisation, les gens ne savent pas les utiliser. Et si votre objectif, c'est d'avoir un outil dynamique, informatique, pour les services d'État, ONF, services chasse et autres, ou les assos, il faut partir sur d'autres choses. Ça ne va pas être un atlas non plus qui va permettre de combler le fonctionnement dynamique de l'évolution des distributions d'espèces. Il y a eu des très belles présentations aujourd'hui, mais le point de base pour pouvoir aller quelque part, c'est de pouvoir d'abord s'associer autour d'une table pour définir une charte. Nous, on a pu mettre en Suisse en place un réseau en fait, de récolte d'informations faune-flore grâce à la mise en place de chartes de diffusion de données et savoir qui fait quoi avec quelles données et cela réglé de manière très précise. Et ça, ça a permis en fait de rassembler les informations du naturalisme, notamment, qui acceptent maintenant vraiment de nous transmettre quasiment aveuglément leurs données en fait. Et ça, c'est vraiment un point de base indispensable avant toute discussion. C'est le premier et le deuxième point, c'est de définir, c'est de faire un test papier, sous quelle forme, et savoir si on veut combien de pages par espèce, et si c'est vraiment pertinent de faire les teintes. Nous, on avait la même question, on a commencé à poser la question aux gens dans les régions, alors tout le monde voyait de pouvoir refaire du terrain, alors qu'on n'a pas forcément besoin, sur une synthèse nationale, de refaire absolument du terrain. Maintenant, quand je vois ce qui a été fait pour les chiroptères, qui est le groupe que je connais le mieux, vous avez déjà pas mal de choses qui sont faites. Mais vraiment, la base, c'est ça, c'est de définir des flux de données et une charte entre vous. Parce que c'est déjà ce qui est apparu à Bourges en mars, et je vois que vous avez toujours les mêmes soucis, mais qu'on a aussi eu en Suisse, et qu'on a réussi à passer par une charte de diffusion. Autre question, autre remarque ? Parce qu'effectivement, l'avantage de la séance de ce soir, c'est de pouvoir mettre un peu à plat les choses et puis d'avoir le temps. Parce que même si tout à l'heure j'ai entendu, ça c'est une discussion à l'Assemblée Générale, le problème c'est que vous comprenez bien qu'une Assemblée Générale annuelle, entre 17h30 et 19h, dans laquelle il faut placer le rapport moral, le rapport financier, et le renouvellement du conseil d'administration, on n'a pas le temps d'avoir des débats un peu plus profonds. Donc, je remercie Armand de nous avoir cédé une partie de son temps pour avoir cette discussion, avoir des avis. Alors, l'enjeu, c'est que j'ai eu des avis, surtout d'administrateurs de la SFEPM. Bon, je remercie notre collègue suisse, mais qui, en fait, dans son propos était tout à fait comparable à ce que je pense moi, hein, parce que même si nous n'avons pas encore de charte, nous avons des conventions, par exemple déjà avec les groupes chiroptères, pour l'échange de données, précisément. Le seul point qu'il faudra préciser, c'est quelle est la structure des données, quel niveau de précision des données seront collectées, c'est-à-dire, bon, il n'est pas question de collecter des données brutes. Ça représenterait de toute façon une base de données beaucoup trop importante pour la SFEPR, donc ça sera forcément des données agrégées, certainement à une maille beaucoup plus fine que le SINP, ou c'est comme ça que ça se dit, hein, qui est la structure du ministère. Et effectivement, il faudra refaire des démarches pour que tout le monde accepte de fournir des données à ce niveau de précision, ce niveau d'agrégation, on va dire. Peut-être des données aussi concernant, alors
C'est là où l'Atlas ne sera pas exactement le même qu'en 1984, puisque... par exemple, sur les chauves-souris, on peut très bien aussi distinguer différentes périodes d'utilisation, différentes périodes de présence des chauves-souris, différents moyens de contact. Pour ce fascicule-là, il y aura une certaine réflexion à avoir. C'est sûr qu'on n'aura pas la même précision pour les chauves-souris de Guyane que pour les chauves-souris de métropole. Ça, c'est clair. Il faudra adapter. Et c'est vrai que chaque fascicule sera différent à ce point de vue-là. Mais chacun fera le point. Et bon, je crois que je n'ai pas entendu d'avis défavorable à une production d'un document papier. C'est pas tellement un document papier, moi, qui m'importe. C'est d'avoir un document qui marque une étape, et comme certains l'ont fait remarquer, c'est un document qui va permettre d'analyser les répartitions actuelles, d'aller plus loin, puisque évidemment, il y a un chapitre qui est prévu sur les populations. Donc ça veut dire que là aussi, on ne va pas pouvoir répondre à toutes ces questions, quand vous pensez qu'en Guyane, il y a des espèces qui sont connues par un spécimen. On ne pourra pas avoir une évaluation des populations et des tendances des populations pour ces espèces-là. Mais pour plein d'espèces, on va pouvoir le faire, je pense. Voilà, donc c'est vrai que ça sera... Pour moi, c'est vraiment une étape. Et je pense que c'est nécessaire, de temps en temps, de faire un point. Et de regarder un peu ce qui s'est passé. Ça permettra d'ailleurs de comparer éventuellement. Alors pour certaines cartes, pour certaines espèces, ça sera seulement l'effort de prospection et les connaissances qui auront évolué. Pour d'autres espèces, par contre, on verra peut-être des différences dans la répartition. Évidemment, comme on n'avait pas les populations à l'époque, on ne pourra pas faire de lien, mais c'est pas grave ça. Voilà, donc tiens, François le boulanger qui demande la parole. Une petite précision. Une petite précision, excuse-moi François, du trésorier. Parce que justement, c'est vrai pour l'équipe que vous en avez. En 2011, je suis allé au ministère, commencer à vendre le projet d'Atlas. Et il m'a répondu très clairement. Vous êtes déjà au stade de l'édition, pas de problème. Ah ben non, on n'est pas encore là, on veut déjà collecter, rassembler, mettre en place un outil de rassemblement et tout. Ah ben là, il n'y a pas un sou. Bon. Hein. Deuxième chose, effectivement, c'est que pour faire, comme on vient de le dire, ce genre de collecte, d'aller voir tous les gens, ça veut dire, ainsi que l'avait fait Armand avant, donc pour l'état de 84, il faut aller voir plein de tours des popotes complètes, discuter avec tout le monde, que tout le monde soit bien d'accord, sur l'objectif, le pourquoi, le comment, le donner pourquoi faire, et à quel niveau, et quelle précision, etc., etc. Ça veut dire qu'on a en clair un poste de chargé de vie associative qui passe son temps avec un administrateur qui fait ça. Actuellement, je l'ai proposé cette année au budget pour la société pour ne serait-ce que développer le site d'Atlas. On espère viser un site mamif.fr, comme l'ordito.fr, qui permet de regrouper un peu les données en un fond d'un dynamique en partant des régions. J'ai posé la question, est-ce que vous seriez prêt à... Il nous faudrait au minimum 10 000 euros. Ah ben on m'a dit non. Donc là, aujourd'hui, à cette étape, concrètement, si on veut mettre en place les bases de cet atlas, les collectes de données, etc., ou même faire des inventaires pour des espèces qu'on ne connaît très mal, telles que muscardin, par exemple, annexe 4 de la diversité habitat, on n'a pas su l'évaluer correctement au dernier rapportage, je demande au ministère, est-ce que vous êtes prêt à nous filer au moins 5 ou 10 000 euros pour qu'on fasse un inventaire plus correct du muscardin en France? Non, il n'y a pas les ronds. Voilà. Il y a aussi cet aspect-là qui va nous coincer quelque part. François. C'était juste un point technique. Je suis d'accord sur le fait de faire des points d'étape de temps en temps sur la situation des mammifères, de l'ensemble des mammifères. Justement, quel est le pas de temps prévu pour pas que ça s'étale dans la durée trop de façon trop extensive? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de... Quand je disais ça, c'est qu'on a l'État en 1984, depuis on n'a plus rien. Donc en fait, c'est l'idée de marquer une autre étape. Après,
hein, nos successeurs verront pour le suivant. Je sais bien qu'au groupe homologique normand, vous en êtes à la troisième édition de l'Atlas régional, donc vous êtes en avance sur tout le monde, c'est très bien, c'est très bien. D'ailleurs, il me semble souvenir qu'il y a une très bonne préface dans la deuxième édition. Mais non, mais voilà, après, ce que je voulais dire, ça, c'était par rapport à des données seulement en ligne, par rapport à un atlas papier, puisque Armand posait la question. Je crois que, enfin, moi, c'est vrai que moi, je suis mal placé, parce que je suis très attaché au papier, j'ai une bibliothèque énorme à la maison, parce que justement, si vous voulez savoir quand est-ce que les animaux nuisibles, inutiles, ont quitté les couvertures des bouquins, ça je peux vous le donner parce que je les ai. Parce qu'avant, au 19e siècle, évidemment, vous aviez un volume sur les animaux utiles, un volume sur les animaux nuisibles. Et par rapport à la discussion qu'il y avait ce matin. Donc j'ai plein. Pour moi, je suis très attaché au papier. Et d'autant plus que l'inconvénient de l'Internet, c'est que votre site, il peut disparaître. Moi, j'ai cherché récemment un document qui était sur Internet, hein, mais il avait disparu. Il avait été retiré, donc on n'y a plus accès. Pareil, si vous avez un atlas évolutif, moi je veux bien, mais ça veut dire, alors comment on fait? On enlève les données dès qu'elles ont plus de 10 ans Bon, c'est une question à réfléchir. Hein. Je pense que les deux sont complémentaires. C'est complémentaire. Mais après, voilà, moi je j'utilise pas. Tout à l'heure j'ai fait la publicité pour BaseNat. Emmanuel qui est dans la salle vous dirait que j'ai refusé de consulter BaseNat. Je n'ai jamais rentré une donnée dedans. Je leur ai toujours fourni mes données sur papier et à eux de les reproduire. Mais bon, c'est ma façon de travailler et je n'en changerai pas. Réponse technique, François, par rapport à ta demande. Le planning de sortie de la classe, donc étant entendu qu'il sortirait par fascicule, hein, 5 ou 6 ans, à partir du moment où un premier tome sort. Deuxième chose par rapport à une question qui était utilisée hier, la validité temporelle des données prises en compte. Alors, on peut, nous, en tant qu'association libre, choisir la date qu'on veut. Tu es dans un CSRPN, je crois. Tu as dû voir sortir la dernière directive en matière de données SNIF, c'est maintenant N-10, voire moins 12, pas plus. Moins 12. En fonction, c'est vu que c'est deux rapportages, donc c'est moins 12. Donc je pense que si on veut avoir aussi un atlas crédible qui se renouvelle, on sera contraint à effectivement, d'une part, à un timing d'édition des contrats en route court, et à ne prendre en compte que les données de moins de 12 ans comme étant les données valides, les dernières données valides de présence, effectivement. Autre intervention. Thierry Lecomte, devant. Là, administrateur fondateur de la SFEP. Oui, donc c'est un peu le retour des jeunes, effectivement, comme tu soulignes gentiment. Je vais intervenir sur deux aspects. Le premier, c'est ce que je ressens donc ce soir, donc après quelques années d'interruption de notre présence au pneumologie, j'ai un peu l'impression d'une société française, etc., qui est un petit peu en train de se chercher et qui n'est pas en train de se trouver si aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu des opinions qui se contrarient les unes les autres, qu'on a un petit peu de mal à se trouver. Et je vous rappellerai quand même, d'une part, cette citation de Jean Rostand qui dit « Il n'y a pas d'attitude rigide qui, à la longue, ne donne de crampes ». Donc je pense qu'il faut garder un petit peu de souplesse. Et il me semble que Robert Hénard, dans un discours introductif d'un des colloques de pneumologie, avait dit « Je vous souhaite l'échine aussi souple que celle de la fouine ». Il avait commencé comme ça son discours introductif. Et je pense qu'il faut, peut-être que si on veut construire quelque chose, il faut qu'un certain nombre de propos s'adoucissent, s'arrondissent pour trouver une sorte de consensus. Et il faut quand même partir plutôt de ce qui rassemble plutôt que de ce qui désassemble. C'est l'avenir, à mon avis, de la société se trouve un petit peu à travers
cet effort, je dirais, de trouver quand même une certaine forme de consensus. Pour ce qui concerne la notion d'un atlas, je crois que, comme le disait Armand tout à l'heure, il faut qu'on raisonne sur des unités biogéographiques qui soient plus larges pour avoir une vision, prendre un petit peu de recul. Et je pense que tout le travail qui est fait dans les régions peut se trouver valorisé par une juxtaposition dans le cadre d'un atlas national. Et que cet atlas national peut avoir beaucoup d'intérêt aujourd'hui parce que les structures qui interfèrent avec l'environnement sont plurielles. Il y a tous les parcs naturels régionaux, les conservatoires d'espace, le conservatoire du littoral, tous les agents qui touchent à l'eau, au NEMA, agence de l'eau, les chambres d'agriculture, les chasseurs, les forestiers, etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir, je dirais, vis-à-vis quand même d'une population de plus importante de techniciens donc, qui gèrent l'environnement, l'espace naturel sensible des départements, etc. On peut, disons, remonter un petit peu le niveau de crédibilité et globalement pour la société SFEPM, ce serait important donc, de produire ce document qui serait sans doute attiré à beaucoup plus d'exemplaires que celui de 84 parce que la demande a fortement augmenté et ce sera quelque chose qui, les DREAL, etc., les DDA, enfin, il y a quand même beaucoup les DDTM, les BTT, donc seront forcément intéressés par des documents de ce genre, les bureaux d'études, les carrières, enfin, tous ceux qui interfèrent, ça fait énormément de monde et je pense que ça peut être important pour la société, donc la SFEPM, de se recrédibiliser. Et puis également, j'ai le souvenir du premier atlas, bien évidemment, qui avait été un formidable levier fédérateur, parce que ça avait entraîné quand même un élan au niveau des régions. C'est comme ça que le groupe Belgique s'est créé, et d'autres dans la foulée. Et c'était important d'avoir cet objectif partagé au niveau national, et je crois qu'il ne faut pas lâcher cet objectif, parce que c'est un objectif fédérateur, et ça ne peut faire que du bien, finalement, à la SFEPM d'aller dans ce sens-là. Mais il faut peut-être qu'on... au niveau, je dirais, des administrateurs, etc., qui a un peu plus de fluidité. Enfin, je sais pas, je sens une sorte de malaise quand même aujourd'hui qu'il n'y avait peut-être pas il y a 30 ans, puisque tout le monde parlait un peu de la même voix. Et ça, j'ai un peu l'impression que si on ne trouve pas ce type de consensus, on va pouvoir encore discuter longtemps, un petit peu comme du sexe des anges, et puis il n'y a pas grand-chose qui va arriver au bout du compte, qui va se faire. J'espère que je me suis fait un peu pas bien comprendre sur l'évolution qui serait souhaitable. En ce qui concerne donc cette société. Moi, je répondrais que, en fait, c'est pas qu'on se cherche, parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup d'activités, et le problème, c'est que trop d'activités, on va dire, dues à l'activité, non, c'est pas ça, mais il y a tellement d'activités que les administrateurs sont surchargés. Et ne peuvent pas en faire plus, pratiquement. Voilà. Et c'est vrai que ce projet d'Atlas, c'est indispensable. Je suis entièrement d'accord. Il est indispensable. Mais il faut arriver à dégager du temps de travail sur cet Atlas. Et je crois que quand tu dis que tu as entendu des discours divergents, ben, j'ai entendu Pierre Rigaud, j'ai entendu Thomas Ruiz, ces jeunes administrateurs. Bon, je n'ai pas entendu que leur discours soit si divergent que ça de celui qu'on a. Je pense qu'ils sont tous, que tout le monde est bien conscient de ça. On est conscient aussi des difficultés la principale difficulté qui est que les données sont recueillies par des groupes régionaux, qu'il faut arriver à négocier avec avec tout le monde pour récupérer ces données. Mais tu as toi-même argumenté sur le fait que de tout l'intérêt d'assembler ces données pour avoir une vision nationale et d'ailleurs replacer éventuellement la France dans le paléarctique occidental, ce que Armand a dit, et là je suis très sensible à ça, puisque moi, mon domaine d'action, c'est précisément le paléarctique occidental, et notamment de l'autre côté de la Méditerranée. Mais voilà, donc je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses, comme l'a souligné Alain Texier tout à l'heure, les plans d'action aussi sont fortement fédérateurs pour la SFEPM, mais ils sont aussi lourds à porter, bien que, contrairement à ce qu'il a dit, je précise que le plan Chiroptère n'est pas porté par la SFEPM, il est porté par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels,
Mais le groupe national, le groupe Quirantaire de la SFEPM a évidemment un rôle très important à jouer et joue un rôle très important dans ce PNA, avec des déclinaisons régionales. Donc je pense que c'est un projet en plus, c'est un projet nécessaire, et mais on fera tout pour y arriver, il n'y a pas de problème. Ben, moi, quand j'ai décidé quelque chose, je le fais. Hein, je suis en train de finir, d'ailleurs, pour projet qui sera porté par la SFEPM, je suis en train de finir le deuxième atlas des mammifères du Maroc. Bon, mais là, c'est pareil, je l'ai décidé, j'ai trouvé deux copains qui étaient partants, et puis ben, ceux qui veulent s'associer, ils s'associent, ceux qui ne veulent pas, ne s'associent pas. Allez, le travail est fini, et je pense que ça sera un beau document qui méritera bien d'être édité par la SFEPM. Si je peux appeler, c'est bon. Alors moi, c'est pour une petite expérience qui a été faite au Maroc, c'était en 2011, on a sorti le premier atlas des passereaux. C'est l'atlas des migrateurs des hivernants passereaux, dont j'étais le coordinateur. Et c'était sur papier, c'était un livre. Et du fait que le Maroc, il y a beaucoup, un grand nombre des ornithologues, étrangers qui viennent faire des birdwatching au Maroc. Et donc l'achat du livre, c'était bien, presque toute la première édition. Et il y avait les ornithologues qui demandent pourquoi ça ne sera pas sur format informatique. Et ça s'est avéré que ça, c'est très important parce que il y avait maintenant actuellement, par exemple au Maroc, avec tous les changements climatiques qui se passent, il y a des remontées des espèces passereaux subsahariennes vers le Maroc, c'est le cas par exemple de prinia, de malot doré, de corbeau bleu, et ça n'a pas été signalé dans le livre. Donc si maintenant on a passé sur la version informatique, c'est un site qu'on a conçu, c'est un projet qui a été lancé depuis 2013, on a travaillé sur ça. C'est le site Observato Passereau Maroc. Et c'est toutes les. Il y a des échanges d'informations et des données. Donc, toutes les ornithos, que ce soit amateurs, scientifiques, qui passent par le Maroc, qui font des observations de certaines espèces, surtout au Sahara. Donc, ça passe par le site. Et donc, ça permet également de faire une réactualisation des cartes qu'on a publiées sur le livre. Et puis, moi, je passe pour ce qu'a dit Stéphane l'année dernière sur le mammifère. La réactualisation de la place des mammifères du Maroc. Oui, ça, c'est un projet qu'on attend toujours au Maroc. Il y a toute l'équipe qui travaille sur les mammifères, les scientifiques, écologues au Maroc, qui attend la sortie de livres. Et puis, moi, je suis partant d'être associé parce que là, je travaille maintenant, ça fait depuis 2007 sur un projet du mammifère. Maroc, et puis il y a vraiment des données que je ne sais pas si c'est déjà actualisé dans votre livre, dans l'atlas, ou bien ce serait uniquement une réactualisation sur l'ancien atlas mammifère, c'est-à-dire de nouvelles observations et des espèces qui sont déjà décrites, ou bien il y aura des nouvelles espèces. Voilà, merci. Sur le dernier point, on en discutera en aparté, parce que je pense que ça n'intéresse pas beaucoup les gens qui sont dans la salle. Donc, mais c'est pas de problème, non, on en parle. Je n'élude aucune question, ni aucune remarque. Donc, autre question, autre remarque. Armand, veux-tu conclure J'étais juste invité pour faire une entrée qui provoquerait les réactions. Alors, excuse-moi pour Laurent, la forme t'a pas plu, mais elle était aussi volontaire pour provoquer des réactions. C'était important, c'est fait, il y a une discussion. Il y a eu une avancée. J'ai l'impression, s'il fallait faire un résumé, qu'il y a beaucoup d'idées, mais comme le disait une partie, je pense, notre ami suisse, ils sont souvent en avance, effectivement, dans tous ces problèmes. Il manque un petit quelque chose, c'est peut-être la réunion autour d'une table, l'écriture d'une charte, une écriture des points successifs à mettre en place pour engager
ce projet, je n'ai pas toujours compris, je me permets encore de le dire, s'il était vraiment de la SFPM ou pas quand même du visage national. La durée, on n'en parle pas vraiment, j'ai entre comprendre 5 ou 6 ans, c'est assez flou. Il y a plein de bonnes idées, je crois que je suis d'accord, l'histoire du papier a pris une importance, alors je suis tout à fait d'accord pour que moi personnellement, qu'il y ait un ouvrage aussi papier, ça me paraît évident, mais c'est parti là-dessus, alors que la forme, comment ça se ferait, quelles sont les relations installées avec les régions, les départements, sous quelle forme ça se fera, comment se feront la remontée des données, est-ce qu'il y aura des données nouvelles, oui et non, ça a été un petit peu là. Effacé, il n'y aura pas de données nouvelles, on prendra que les données sur les 10 précédentes années, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui sont sorties, il manque sans doute un cadrage, il manque un pilote dans l'avion, j'ai clairement l'impression qu'il manque un pilote dans l'avion, alors est-ce qu'il va être nommé comment ? Du kérosène. Il faut du kérosène aussi, ah oui, bien sûr, du kérosène, effectivement. Donc plein de bonnes idées, l'argent n'est pas là pour les poursuivre, le pilote, il va peut-être s'en aller, j'avais bien compris aussi, chose comme ça. Il y a un atlas des mammifères marins qui est quand même lancé, mais c'est le Muséum national, mais il était quand même lié aux autres atlas terrestres, bon, c'est pas très clair. Donc moi, je me retire maintenant, hein, je vais laisser faire la conclusion. J'espère que tout cela se mettra en place, qu'il y aura une bonne coordination, et que dans 15 ans, il y aura effectivement une sortie informatique, papier et autres, qui permettra d'avoir une meilleure connaissance de nos mammifères. Et j'en reste là. Non mais, en fait, Armand, bon, moi je n'ai pas du tout pas de vie, je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as interprété. Non, je n'ai pas parlé de toi. Ah bon, d'accord. Non, d'accord, parce que... Ah ben oui, mais c'est comme ça, les SFPM, vous savez, c'est comme dans la police, il y a un gentil et un méchant. Bon, je suis gentil ce soir. Non, mais je veux conclure juste comme ça. À savoir que... Il y a un document qui a été produit, justement, qui présente cet atlas, puisque ce document, c'est celui qui nous sert à aller démarcher, notamment un éditeur, pour supporter certains frais liés à la production de l'atlas. Je pense qu'il est très clair aussi que les données qui seront collectées, ce sont les données qui sont dans les groupes régionaux. Quand Armand dit qu'il n'y aura pas de données nouvelles, bien sûr que si, il y aura des données nouvelles, puisque si je prends l'atlas, par exemple, d'un mammifère midi-pyrénées, le fascicule ongulé, il est paru il y a déjà 5 ans, et forcément, il y aura des données nouvelles, puisqu'on continue à accumuler des données dans la base de données de nature midi-pyrénées, donc il y aura forcément des données nouvelles. Et donc, il y a, je le répète, un projet qui est déposé, qu'on utilise pour présenter aux éditeurs. Maintenant, en fonction de l'éditeur et en fonction des démarches qui seront effectuées, et notamment de l'argent qui sera trouvé, le planning de sortie des fascicules va dépendre des moyens qu'on pourra y mettre. Voilà, c'est la seule inconnue, je dirais, parce que j'ai l'impression quand même que tout le monde est d'accord pour que ce projet se fasse, et si vous êtes, il n'y a aucun problème pour diffuser le document que l'on présente aux éditeurs. Voilà, à la limite, on le mettra sur le site internet de la SFPM, et comme ça tout le monde saura où on en est du projet. Et ça, pour moi, aucun problème. Voilà, donc je vous remercie. Eh bien, à tous pour votre contribution ou votre écoute attentive. Je remercie très vivement Armand d'avoir dressé un panorama des bouts de la société. Je suis quelqu'un de très intéressé par les aspects historiques. Donc, d'ailleurs, j'ai deux questions à lui poser parce que j'ai besoin des prénoms d'administrateurs fondateurs que je n'ai pas retrouvés. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée.